Le mardi 6 décembre 2022, Silicon Village a accueilli le lancement de M-Pesa Rallonge, le nouveau service que Vodacom Congo met à la disposition des utilisateurs du service monétique M-Pesa. Lancé par la directrice générale adjointe Pamela Ilunga, le service M-Pesa Rallonge est le produit de l'identification d'un besoin latent dans le chemin d'utilisation des abonnés. C'est pour moi un honneur de participer à ce jour au lancement officiel du nouveau service M-Pesa Rallonge. Cette nouvelle innovation a été motivée par le besoin que nous avions identifié dans les schémas des transactions de nos clients, à savoir environ 20% des transactions des services M-Pesa ne sont pas effectuées en raison d'un solde insuffisant du client. Cela a conduit au partenariat entre M-Pesa et Access Bank. Access Bank consacre d'importantes ressources pour saisir les opportunités de participer activement à l'amélioration de la bancarisation en RDC. En ce jour, nous sommes ravis de sceller ce nouveau partenariat avec Vodacash, avec le lancement de M-Pesa Rallonge. Pour mettre la technologie au service de la communauté, c'est de comprendre c'est quoi les vrais besoins de la communauté, c'est quoi les soucis de la communauté et répondre exactement à ces besoins-là. Accessible à l'ensemble des abonnés Vodacom, le service M-Pesa Rallonge permet à l'usager de compléter sa transaction même en cas de solde insuffisant. Un moyen efficace qui vient à la rescousse des utilisateurs de la monétique pour leur plus grand soulagement. Et pour octroyer ces microcrédits, le système doit regarder l'historique du client. Un client qui est insolvable, au cas où le client a octroyé un crédit, mais le client n'a pas remboursé. Oui, il peut perdre l'éligibilité parce qu'il ne saura plus avoir ce produit M-Pesa Rallonge. Ok, pour le moment, le montant maximal est à 100 000 parce que n'oubliez pas que ce sont des microcrédits. Une rallonge, ça veut dire que vous avez déjà une main et on ajoute une partie au-dessus. Si on ajoute 1 million, ce n'est plus une rallonge, c'est un crédit à part entière. Nous sommes ici aujourd'hui pour assister au lancement officiel d'un produit très très innovant que M-Pesa vient de mettre sur le marché, que nous appelons M-Pesa Rallonge. Pourquoi M-Pesa Rallonge? Parce que justement, M-Pesa va permettre désormais aux abonnés qui étaient pendant son transaction, avaient une balance insuffisante, de compléter sa balance et de permettre à l'abonné de finir sa transaction. Un abonné qui devait envoyer l'argent, il avait 6 dollars, il devait envoyer 10 dollars à son proche. Désormais, avec M-Pesa Rallonge, M-Pesa va compléter sa balance à hauteur de ce que lui doit envoyer et ainsi, le client peut atteindre son objectif. Donc, une fois que vous êtes avec votre téléphone, vous avez la possibilité d'initier une transaction même si vous n'avez pas d'argent. Eh bien, vous avez bien entendu, même quand il n'y a pas d'argent dans votre compte, vous pouvez le faire. M-Pesa Rallonge vous permet justement de payer des factures, vous permet d'acheter un forfait, ça vous permet même d'envoyer de l'argent à quelqu'un quand vous n'en avez pas. Donc, on vous prête de l'argent en quelque sorte comme étant un microcrédit qui vous permet de faire plusieurs opérations à travers M-Pesa. Le peuple a besoin d'accompagnement. Beaucoup se sont plaints que les banques ne font aucun effort pour pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, nous pensons qu'un partenariat entre les clients M-Pesa et les clients Access Bank pour donner des produits d'accès au crédit et apprendre aux gens l'éducation financière, c'est un must, une obligation à laquelle nous devons répondre. Et donc, comme on dit, Access Bank, plus qu'une banque, nous ne pouvons pas nous limiter simplement dans nos bureaux. Il est temps pour nous d'aller sur le terrain et de sceller des partenariats qui vont faire que nous puissions mieux atteindre la population. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.